15 de France, Antoine Dupont et Romain Entamac, à quand leur grand retour en bleu. Les dates se précisent. Le demi de mêlée et l'ouvreur, qui composent la charnière titulaire en sélection nationale comme au stade Toulousain, ont compté parmi les principaux du tournoi des Six Nations 2024 qui s'est achevé ce samedi 16 mars. Et maintenant, toujours dans l'optique de la Coupe du monde 2027 en Australie et en attendant le tournoi 2025, il sera difficile de remporter déplacement en Angleterre et Irlande. Fabien Galtier va pouvoir compter sur deux tournées pour jauger son réservoir et faire des essais, la tournée d'été et la tournée de novembre. Disons-le d'emblée, si cette dernière se déroulera avec l'essentiel des cadres, celle d'été sera l'objet d'un grand brassage. Elle comprendra quatre matchs mais comptera seulement pour deux sélections lors des deux tests en Argentine, les 6 et 13 juillet. Auparavant, les Bleus joueront un match contre une sélection mondiale à Bilbao, le 22 juin. Et un test face à l'Uruguay est prévu entre les deux tests argentins. Il est déjà acté depuis longtemps que cette tournée d'été se déroulera sans les demi-finalistes du championnat, demi-finale du Top 14 les 21 et 22, finale le 28. À l'allure où ça va, il y a quelques chances que les joueurs du Stade Toulousain ne fassent pas partie du contingent qui partira en Argentine. C'est même certain pour les rouges et noirs qui ont disputé la Coupe du monde Fabien Galtier ayant acté avec eux et avec les autres acteurs de la Coupe du Monde qu'il serait exempté de tourner pour ne pas faire une saison à rallonge. Toutefois, une exception est possible. Elle concerne un certain Romain Ntamak, blessé pendant la préparation de la Coupe du Monde et qui devrait rejouer ses prochains jours. Sa saison 2023 à 2024 ne durerait alors que trois mois avril, mai, juin. Dès lors, même si les demi-finalistes et ou finalistes du championnat, L'ouvreur du stade toulousain pourrait partir en tournée, dans un deuxième avion, selon les choix du sélectionneur. D'autres joueurs blessés, sereins, gros, Falatea par exemple, pourraient également aller en Argentine et encadrer une classe biberon parmi laquelle figureraient quelques internationaux moins de 20 ans en concertation avec le staff U-20, dans la mesure où, dans le calendrier international, figure également la Coupe du monde -du U-20, du 29 juin au 19 juillet en Afrique du Sud. Dupont, le grand retour le 9 novembre. C'est donc en novembre que les cadres ayant disputé la Coupe du Monde et les demi-finalistes reviendront pour la tournée d'automne. Trois rencontres sont prévues face au Japon, le 9 novembre, puis la Nouvelle-Zélande, le 16 novembre et l'Argentine, le 23 novembre. Parmi ces cadres, le grand retour attendu concernera un certain Antoine Dupont, plus d'un an après son dernier match à 15 avec les Bleus. Le demi-de-mêlée toulousain dont la fin de saison est prévue fin juillet lors des Jeux olympiques reprendra l'entraînement plus tard que ses camarades toulousains mais suffisamment tôt pour jouer des matchs avec son club et postuler à la tournée de novembre. À moins que son plan de carrière ne prenne d'ici là un nouveau tournant. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.